Oh mon dieu, non, Striège, il a disparu. Eh ben non. Les 4400, c'est 4 saisons, 45 épisodes et des milliards de questions en suspens. C'est l'histoire de 4400 personnes ayant disparu sur les 60 dernières années et qui réapparaissent tous au même endroit. Et qui, sous quelques jours, découvriront qu'ils ont des pouvoirs. Étrangement, la série ne traitera absolument pas de leurs pouvoirs ni de super-héros. Mais plutôt de la façon dont l'État accueillerait ce genre d'événement. Pour ceux qui ont attendu la série comme moi, vous avez dû avoir la magie de M6 pour changer M6 bande de pip, de nous avoir grillé l'intrigue de la série rien que sur la présentation qu'ils ont balancée un mois avant sa sortie en France. Et oui, c'était une série qui était basée sur le mystère. Et à chaque présentation de M6, ils te lâchaient un petit truc. Ce qui fait que tu pouvais déjà savoir, le premier épisode, il n'y avait pas besoin de le regarder, tu le connaissais déjà, ils t'en avaient déjà tellement parlé que tu le connaissais. Et c'est encore pire, c'est que sur les saisons d'après, ils ne sont pas arrêtés là. Pour la présentation de la saison 4, ils te grillent une grosse partie de la fin. Merci les blaireaux. Le 18 septembre 2007, c'est officiel, la série s'arrête. Et là, un mouvement de fans se lance. Le 20-12 2007, une organisation de fans voit le jour. Et des dizaines de pétitions dans 20 langues différentes seront distribuées sur la planète entière. Le 17 janvier 2008, le site Giant Seed créera une page spéciale pour que toutes les commandes de DVD soient expédiées le même jour à la production. Le 1er février 2008, date choisie pour l'envoi de courriers spéciaux directement à la production. L'idée est de prendre une enveloppe, d'écrire une lettre en disant « on aime la série » et d'ajouter un sachet de graines de tournesol. 26 000 signatures furent récoltées. Et 8500 sachets de graines de tournesol envoyés le même jour à la production. Le 8 août 2008, 888, une dernière opération a été mise en place. L'idée était de contacter 44 personnes importantes pouvant donner leur influence. Il leur a été envoyé un DVD complet avec un book de presse, les chiffres et ainsi de suite, pour qu'ils essaient de faire bouger la production pour essayer de relancer. Même pas une saison, simplement une conclusion à la série pour répondre aux dernières questions. Même s'il y a plus ou moins une fin moisie à la fin de la saison 4, on n'a pas toutes les réponses. Et c'est ça qui a entraîné ce mouvement de foule jamais connu auparavant, à part peut-être pour Jericho.